Docteur. C'est bon? Voilà, merci, mesdames et messieurs. Je suis Cheikh Tidiane Diéye, membre de la coalition. Je vous remercie, tous et toutes, journalistes sénégalais et journalistes étrangers travaillant au Sénégal. Nous vous avons convoqué ici aujourd'hui pour vous présenter le message du président Ousmane Sonko et de la coalition qui l'accompagne sur l'actualité politique nationale et en particulier le dialogue politique en cours actuellement dans notre pays, qu'on appelle dialogue national. Nous vous présenterons le message de Ousmane Sonko, il présentera lui-même. Et après ce message, il répondra éventuellement à certaines de vos questions s'il y a lieu. Je vous remercie et président Sonko, vous avez la parole pour démarrer cette conférence de presse. Merci, cher Kylian. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour venir couvrir ce présent point de presse que j'anime en présence de plusieurs membres de notre coalition, en l'occurrence Cheikh Tidiane Diéye et Mme Boulanou Diop de Avenir du Libre, Mme Yassine Fall de Def Dilawar, M. le Dr Diallo Diop Londé du RND et M. Madje Mbodj de Yon Askandi. Et nous avons l'exquis honneur de porter parmi nous également un doyen qui nous est très cher par rapport au combat qu'il mène et nous pensons que nous le partageons. Il s'agit notamment du doyen Moudignan. Je me permettrai de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement en dehors des journalistes, qu'ils soient militants ou sympathisants, mais de saluer également tous ceux qui nous suivent à travers notamment les réseaux sociaux. J'ai beaucoup entendu que vous aviez exprimé beaucoup de nostalgie à notre endroit. Je peux vous dire que c'est réciproque et que, Inch'Allah, nous reprenons du service après une campagne présidentielle qui a été assez éprouvante. Mais nous reprenons du service parce que la situation nationale également l'exige. Nous avons convié pour donner notre opinion sur une question qui apparemment agite l'actualité, occupe les devants de l'actualité depuis quelque temps. Il s'agit notamment de ce qui est communément appelé le dialogue national. D'emblée, je vous dirais que nous ne participerons pas à cette mise en scène. Nous considérons que c'est une mise en scène rocambolesque du reste. Nous n'y participerons pas, mais à la place, nous proposons au peuple de dialoguer avec lui. Parce que le véritable dialogue doit se faire de manière permanente avec ce peuple qui souffre, mais qui souffre de l'incompétence, du manque de patriotisme, mais surtout du manque d'intégrité et de probité d'une élite politique. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous en tirons un certain nombre d'enseignements d'abord. D'abord, tiré de la bouche même du principal instigateur de ce cirque national, le premier aveu, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce que il nous semble que les Sénégalais ne se posent pas la bonne question. Où est-ce qu'on a vu dans le monde? Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président qui prétend avoir été élu au premier tour avec 58% des voix, se retrouver le lendemain à convoquer un dialogue national qui prend d'ailleurs les allures d'une conférence nationale? Le Sénégal est-il en crise? Le Sénégal est-il en guerre interne ou avec un ennemi extérieur? Le Sénégal est-il en situation de catastrophe? Il faudrait que le principal instigateur, notamment Macky Sall,
s'adresse au Sénégalais pour lui dire quelle urgence il trouve ou quel danger guette aujourd'hui le Sénégal pour qu'il éprouve le besoin d'amener toute la nation autour d'un supposé dialogue national. J'ai tantôt dit qu'il faut le requalifier en une conférence nationale. Et j'y reviendrai parce que le champ que doit couvrir cet exercice ne laisse absolument aucun domaine de la vie de la nation. Ça veut dire que le Sénégal est dans une crise très profonde. Quand on sort d'une élection qui s'est passée pas normalement ni correctement, mais au moins au lendemain de cette élection-là, il n'y a eu ni insurrection, ni occupation des rues, l'opposition dans sa totalité a préféré adopter une attitude politique qui consiste simplement à refuser de légitimer un hold-up électoral, une victoire technique fabriquée de toutes pièces dans les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Elle s'en est tenue à cela. Et ce silence de l'opposition avait fini par surprendre, mais pratiquement émerveiller toute la nation sénégalaise, mais également toute la communauté internationale. Mais ce silence était extrêmement pesant pour celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne et ex-premier ministre s'était fendu d'un communiqué la nuit même du scrutin pour se déclarer et se proclamer vainqueur à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné. Il a dû gagner. Il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle Liguel Eulek. Quand vous sortez d'une élection que vous supposez, vous prétendez avoir gagné de manière écrasante et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez. Vous n'avez pas besoin d'amener toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est question et je vais y revenir. Où est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais? Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Parce que Famara Ibrahima Sagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme, parce que quand un exercice de ce genre englobe les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Liguel Eulek et à la place de Sénégal émergent. C'est ça la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à désigner un gouvernement informel qui sera un panier à salade où on va retrouver tout et rien à la fois. Et ce gouvernement informel est chargé aujourd'hui de fabriquer un programme de gouvernement pour Macky Sall et demain éventuellement de se retrouver pour le partage du gâteau étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien finalement, parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième aveu, c'est un aveu de roublardise. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays », je ne suis plus dans les affaires de Ndiaye Ndiaye. Il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc.
Mais c'est bien fini pour lui, comme il le dit. Car on n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette latitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son conseil constitutionnel ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le décide déjà, de contourner les règles et la charte fondamentale de ce pays et briguer au troisième mandat. Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant et qui courbe les chines face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ses ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale lors de la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, Macky Sall s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ses contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élue par les Sénégalais peut procéder à la renégociation de ses contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous prétexte de la nécessité de dialoguer, qui se défausse sur une commission qui, où on retrouve tout et rien et qui doit être compétent en toute matière. Le quatrième élément, c'est le manque de sincérité de Macky Sall. Voilà un homme qui sera à l'élection présidentielle sans présenter dans son programme politique un projet institutionnel. Après le référendum constitutionnel de 2016, sur ses 15 mesures, après avoir imposé de manière personnelle et unilatérale une réforme de la loi électorale pour instaurer son parrainage, après aussi son passage en force électorale, il décide d'une réforme constitutionnelle qui voit 22 articles de la Constitution être modifiés et avalisés par sa majorité mécanique parlementaire sans concertation et sans que personne ait pu venir. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rapprochons tous de son Douma Kodef, nous lui réitérons Ya Hayi. D'où nous dialoguer. Ce n'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, rappelez-vous qu'il avait péremptoirement décidé, le 1er mai, de rompre avec la tradition sociale de concertation en assénant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs.
Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky Sall ne vaut pas un copec. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux, parce que le dialogue, on en est au troisième ou au quatrième essai, avec les dialogues mort-nés de 2016 et de 2018. La trahison contre les conclusions des instances nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des assises nationales se bousculer au portillon du palais pour aller assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on a déjà dit dans les assises nationales? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'a été dit dans les assises nationales, qui s'était engagé à appliquer lui, Macky Sall? On est en train de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps. On va mettre de l'argent pour satisfaire les desiderata et le projet funeste de l'homme. La Commission nationale de réforme foncière, qui avait déposé ses conclusions, il a mis le coup là-dessus. Les grands maîtres des assises de l'éducation et de l'administration, on se rappelle, inaugurés en grande pompe, il y avait des affiches partout, on va réformer l'administration. On avait mobilisé toute la fonction publique à Diamniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. La décision unilatérale de report des élections locales, j'en ai déjà parlé. Alors, comment donner, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais comment donner du crédit à cet homme? Vous savez, quand vous avez dans votre propre famille un enfant habitué à raconter des choses, à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Est-ce qu'il se lève un beau jour pour vous dire « Papa, maintenant j'ai changé ». Vous n'allez pas y croire tout de suite. Il faut le mettre à l'épreuve au moins. Le cinquième point, c'est que nous assistons à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils, ces personnalités crédibles, pendant 7 ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national? On n'en a jamais entendu un seul, ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ces dérives. Ils étaient où quand, par manque de patriotisme, le même Macky Sall livrait notre économie aux intérêts étrangers et vendangeait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste? Osent-ils seulement parler à leurs commanditaires des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encouragent par des nominations? On ne parle pas de la gouvernance dans ce fameux dialogue. La corruption endémique, tous ces criminels à col blanc qui ont pillé la poste, qui ont pillé le coude, qui ont pillé la direction générale des impôts et domaines, qui ont pillé le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce Macky Sall, qu'il promeut même quelquefois dans des postes de ministre ou de directeur général. Est-ce qu'ils oseraient aller lui parler de ces questions alors qu'ils ont été épinglés par des rapports des corps de contrôle? Le sixième point, c'est que ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards, et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter outre mesure, mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces 5 prochaines années. Parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se défausser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour, l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre 2022.
2019. C'est ça qu'ils veulent cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets, à coup de milliards, crevant le plafond de l'endettement et frappé du gigantisme maladif de l'homme, mais surtout inutile, sont à l'arrêt. Vous savez, il y a 7 mois de cela, quand je vous disais que l'inauguration du TER, c'était de la poudre aux yeux, et que je le défiais de faire un aller-retour, s'il part à Diamniadio qu'il revienne avec le TER, on avait crié aux oiseaux de mauvais augure. Où est-ce qu'on en est avec le TER? J'avais dit que le TER ne circulera pas avant le mois de juin. On est au mois de juin et le TER ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Macky Sall. Et pendant ce temps, aucune mesure allant dans le sens de soulager les cris de détresse des populations n'ont été prises. Combien de morts devrions-nous enterrer avant d'espérer une attention du dépositaire des pouvoirs? L'arsenal, les moyens colossaux qu'il a investis dans l'arsenal de répression pour parer à toute manifestation de l'opposition. S'il avait dépensé le tiers pour sécuriser les Sénégalais, on n'en serait pas à cette situation d'insécurité devenue pratiquement endémique. Combien d'entreprises devront fermer? Combien de jeunes devront se jeter dans les bras de l'océan? Combien de femmes agressées? Combien de détournements opérés? Combien la liste peut être longue? C'est pas moi qui vais apprendre aux Sénégalais, parce que c'est eux, ils souffrent dans le chair, ils n'ont pas besoin qu'on leur cite une liste exhaustive. Mais les vrais sous-vêtements politiques de la manœuvre, c'est la caution qu'ils cherchent pour obtenir le second report des élections locales après le premier, qui a fait passer la date de juin à décembre 2019. D'obtenir le report ultérieur des élections législatives et de probables velléités de modification de la Constitution pour permettre le maintien du président en exercice au terme de son second et dernier mandat. Ça, c'est les véritables, ce sont les véritables soubassements politiques de toute cette manœuvre. L'autre objectif demeure évidemment l'absolution des crimes économiques de son entourage, qu'il encourage par une impunité, si ce n'est carrément par des promotions ministérielles ou autres directeurs généraux. J'ai rappelé tantôt des cas, ils font lésion, et ces criminels à col blanc narguent les Sénégalais en organisant des meetings à coût de 200 ou 300 millions. Le 7e point, c'est la duplicité d'une certaine opposition, et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner du « Monsieur le Président » ici, « Monsieur le Président » là-bas. Ils sont tous heureux de serrer la main du Président. Je crois qu'ils rêvent tous, quelque part, de retrouver certaines positions. C'est un secret de Polichinelle d'ailleurs. Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé, par ses officines, et lui-même, en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Ce projet a connu un début de mise en œuvre par le remplacement de l'état de droit par le parti État. Ce projet a connu un début de mise en œuvre, je disais, par le remplacement de l'état de droit par le parti État, d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance clanique et gabégique, en excluant le Sénégal des juridictions internationales, en menant une chasse aux sorcières des opposants à son régime. La liste n'est pas exhaustive. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Mais le projet de Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi?
il fantasme sur une forme de gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom. Élaborer ensemble un programme commun, politique, social et économique, et ensuite gouverner ensemble, ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la corruption gouvernementale et étatique, aux dérives et abus autoritaires, aux manipulations du calendrier républicain et de la Constitution. Je veux rassurer ici Macky Sall. Il aura une opposition en face de lui. Et une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut qu'il soit, que ce soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, il lâche la churme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice, mais cela ne se verra pas d'une opposition, il aura en face de lui une opposition. Le pouvoir n'est pas éternel, aucun pouvoir ne l'est. Demandez à Omar el-Béchir, quand vous allez dans nos mosquées, nos imams vous parlent de Aïna Firaoun, Aïna Haroun, c'est trop loin. Demandez à el-Béchir, demandez à Bouteflika, demandez à Ben Ali, demandez à Saddam Hussein, demandez. Il quittera le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Il ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il peut capter une certaine opposition qui n'attendait certainement peut-être qu'un clin d'œil. Chacun a ce qu'il va négocier ou ce qu'il va chercher. Mais il nous aura en face de lui. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix, mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collision avec Macky Sall et se livrer à un grand écart qui s'assimile à un reniement, à une forte ou à une forme de ralliement. Celui qui se dit élu au premier tour à l'issue de l'élection présidentielle de février 2019 est supposé l'être suite au programme politique qu'il a présenté aux Sénégalais dans un état de droit. Après les élections, il n'y a que deux camps politiques, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen, mais politiquement, il y a deux camps politiques, le camp qui gouverne et le camp qui s'oppose. On ne peut pas avoir de camp hybride. Il faut que ce soit très clair. Et chacun maintenant doit faire son choix. On s'oppose ou on est avec Macky Sall. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est se tromper, essayer de tromper le peuple. Dans ce postulat bien simple, de deux camps bien définis, qui se doivent respect mutuel, et c'est à Macky Sall de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait. Dans ce postulat bien défini, les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Macky Sall. Ses prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le processus électoral ni la question de nos institutions. Ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussions, pas de dialogue. Ça doit faire l'objet de concertations et ça, c'est exigé par le calendrier républicain, ça a été fait depuis de nombreuses années. C'est lui qui est venu briser ce consensus. En dehors de ces questions, c'est lui qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le dérouler et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça, une démocratie. Répondre donc au dialogue de Macky Sall, ce n'est pas seulement un reniement de la position communément exprimée de refus de légitimation de son mandat au lendemain de l'élection, c'est aussi une décision d'intégrer son gouvernement délégué à la commission dirigée par Famaré Ibrahima Sadia. Je tiens à dire que les observations que je fais n'ont rien de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues. Je reste sur les principes. Je terminerai par
dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants, de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky Sall ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé. Il s'agit de poursuivre et de parachever cette œuvre de débarrasser, qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affairistes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire, nous ne pouvons pas la dissoudre dans des manigances et dans des compromissions. C'est ça notre ligne politique et c'est à cela que nous appelons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous, et encore peut-être beaucoup plus nombreux à n'avoir pas pu voter pour nous. Nous disons que c'est ça notre ligne et nous ne le compromettrons avec rien d'autre et sous aucun prétexte que ce soit. Ni pour la supposée unité d'une opposition aux objectifs apparemment totalement éclatés, ni pour les beaux yeux de Macky Sall qui est confronté à ses propres limites. Nous y œuvrons et impulsons une cadence soutenue dans les prochaines semaines par la constitution de la coalition et le renforcement de nos partis respectifs. En ce qui nous concerne, nous, PASTEF, j'en profite pour annoncer que nous acheminons vers un grand congrès dans une date qui vous sera communiquée incessamment. Ensemble donc, nous serons également plus que jamais du côté du peuple dans la surveillance et la dénonciation de la gouvernance malsaine et la prise en charge des problèmes sectoriels comme globaux. À ce titre, une série de questions écrites adressées au gouvernement, suivies de conférences de presse décentralisées, sera déroulée dans quelques jours. Nous rejetons ce simulacre et appelons les forces politiques et citoyennes patriotiques à faire front contre les funestes desseins politiciens et de Macky Sall et ses complices de tous bords. À la place, je l'ai dit dans le titre, nous proposons un dialogue avec le peuple. Nous proposons un dialogue franc, profond, sincère, un échange mutuellement enrichissant avec ce peuple. Nous avons proposé un programme lors de cette campagne. Tous les spécialistes, tous les observateurs qui ont lu les programmes s'accordent que nous avions proposé le meilleur programme pour le Sénégal. Et c'est dommage parce qu'on va perdre encore 5 ans à patauger. Nous avions toujours dit qu'il y a le temps de l'opposition ferme et le temps des propositions. Nous allons renouer contact avec ces populations dans tout le Sénégal et dans la diaspora pour des échanges féconds, pour un dialogue où nous apporterons ce que nous avons. Peut-être que lors de la campagne, nous n'avons pas suffisamment pu partager ce programme, mais où nous prendrons de ces populations également les préoccupations, que nous poserons de la manière la plus ferme, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous appelons surtout la jeunesse sénégalaise à refuser qu'une énième fois les mêmes acteurs ne complotent contre elle dans un sempiternel exercice de partage du gâteau étatique. Nous l'appelons à se tenir prête à engager l'inéluctable bataille pour parachever la mise hors circuit de ce système mafieux. Je vous remercie. Je suis là. 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 Je suis ñeu fekk ci cette conférence de presse bi tek ki suñuy soppé wala suñuy partisans militants sympathisants yi nga xamné amana ñu ci bëri ñu ngi sétan ni sax ci direct bi dénnu yé nepp dégg nañu nak seeni woté xamnañ ni namu ngeen ñu way ñoleen raw dafa fekk rek buñu génné ci li ñu joggé yeen ñepp xam ngeen lu metti la won lu jafé won jaadu won nak ñu lañu touti nopalu defaru wat
waye li ci gëna am solo djublu ci nu ñuy organiser wat liguey bi bu mu gëna ñongé nopi gi na tek tek karal gi nak defena bari won bari lu mu jaxal dem na ba Ousmane Sonko bu waxé ñi wax bu waxul ñi wax dégg nañ ci lu né nak dégg na sax ñu né waaw dañu teju dañu daw parce que dañu amel ay nit amel ñu kenn fukki dërëm ñogi sant yalla kenn benn sénégalais buy jinné sax amelu ñu ko ñogi sant yalla bu baaxa baaxa baax parce que ñun def lo mën bo teddé nelaw ñu loon lañuy politique. Dinañ dañuy pencho gannaaw bu ñu paccioy nak lu ëpp juroom ñaari at da fas yéene continuer paccio ndax paccio moom defena ci ADN la nekk ku ko xas ba tàmm mënatoo ko ba gannaaw bu ñu paree ci loolu nag nee nañu léegi il faut ñu pencho ñun ñu ne nag ma teel ko gaaral ñëpp nun demuñu ci pencho boobu parce que lu dëgg lalul rek ñun duñ ci bokk doñ ca dem waaye ca wet ga lañu bëgg a bokk ak askanu Sénégal mooy bokk ak ñoom waxtaan bu yaatu waxtaan boo xam ne du ay nit la ñuy seppi ñu naan kii naw nañ ko ci xam-xamam kii naw nañ ko ci kilifteefam bi mu yor kii naw nañ ko ci déedéet waxtaan la goo xam ne bés bu ne la nekk te danañ leen fekk si fa ngeen ne gox ca goxam dëkk ci dëkkam fii ak bitim réew fekk si leen bokk ak yéen waxtaan gu xóot goo xam ne wéccee lay doon danañ leen andil nun ndax avant na peut être jamono campagne bi gàttoon na ba li ñu bindoon muy programme te ñi am seetlu ñëpp ak raaj ñett jàpp nañ ni mooy li gën ci programme bi ñu proposé woon avant na campagne bi ni mu tëree may ñu woon ñu jukki leen ci yëpp dañ ñëw ak loolu ak yéen waaye dinañ ñëw jël si ci yéen it ba xam lan mooy seen i jàmbat bu baax a baax buñ ci jógee nag lañ ca war a def ñun dinañ ko def ndax ku xam Ousmane Sonko xam Pastef waaye xam ñi ñu àndal ñëpp ci coalition xam ngeen ni la ñu dugal ci politique du séddoo ay poste waaye taxal askan wi la looloo andi ñu andi xeetu politique boo xam ne nit ñi faroñu ko woon gis wala tàmmuñu ko woon loolu tax suñu façon politique teel a sonnal ñi ñu jàkkaarloolu parce que li ñu xamoon ci politique du lii loolu la ñuy wéyee nag nekk ci côté askan wi di défendre askan wi boole koog nag gën a farlu ci liggéey li nga xam ne nag moom la ñu téye ñun parce que ku dem ci élection génn ci yàlla may la ci lii mu la ci may te yaa gënoon a néew coalition yaa gënoon a néew budget campagne da nga war a dellu sant yàlla bu baax a baax te xam ni nag fa yoon bi nga ne boo ci wàccul li ñu naan bu xëcc yàggee bu dagul dina dikk te bu soobee yàlla du dagg ba tax nag li ñu gis ci lii ñu woote dañ ciy jukki yenn jàngat rek bu ci njëkk mooy lii dafa wane ni Macky Sall laj na te li tax mu garaaw mooy su doon dajale dañu ne dafa ne moom moo fal ndax moom moo fal boppam def nañu élection ngoon sa ba bala commission de recensement di wax wala ñu ne cour d'appel wax na ñi nga xam ne ñoom lay yoon daganal ñu war a wax résultat bi moom moo njëkk a génn jiital ja yónni directeur de campagne am mu ñëw taxaw ne moom moo gañe kon moom moo fal boppam daa def pression ci ñi waroon a yor mbir mi yëpp ne leen wax leen ni man maa gañe kon su doon dafa génn ci loolu nag dem prêté serment dawal tuuti sax ñetti at doog a ne gars yi man nag tële naa waaye ñu fal la balaa sax cour d' appel di joxe résultat définitif yi moom moo njëkk a génn ne maa ngi woote dialogue national man dama ne li mu woote du dialogue national conférence nationale la te conférence nationale ñoo ngi koy faral di woote
ci dëkk yo xamné musiba dafa dal yalla ñu yalla mussel ci dëkk musiba dëkk yu joggé ci guerre mo xam ño doon guerranté sen biir wala mo xam dañ doon guerre ak benen dëkk benen réew wala dëkk yo xamné natou dafa dal catastrophe naturelle yu doy waar dëkk yo lañ daan gis ñu dajalé nañ def conférence nationale waye sénégal gi jamm rek ka fi am ñoo ngi sant yalla bu baax yalla nako yalla yok ci wër bor bi duggé nañ ci élection mom démone na jënd armée la dajalé won yaakaar suñu génné ci élection comme limi def dako wajal bu yagg victoire technique la moy li nga xamné dako fabriquer mom ak ministre de l'intérieur wajal ko lu yagg yaakaaron nak bu génné wax ko opposition nañ génné nañ tal réew mu def limi def opposition bi maguko won ko ni réew bi amna lu ñu jaral ñun woñu kenn ci biti xexuñu sanni wuñu xex waye nak am suñu sañ sañ ne budé ñun rek lay xaar ñu daganal ko du gaaw am lool ndax kenn ci ñun du ko daganal ndax dafa daganut ni mu amé victoire bi lool nak jaaxal ko mu wëlbeuti ko nat bopam xamni situation réew mi fu mu tollu doyna war ma wax ko légui sénégalais xawma ñan ñoo gëm ba wotel ko waye nañu xamni juroomi at yi dina metti lool ci réewum sénégal parce que situation économique bi doyna war jamono ji ñi wax ak yeen tembe budget national bi amna gap wala li manké ci limu waron am ci waxtu bi matna 100 milliards fi ak at yi di jeex dina mat 325 milliards wala 345 milliards mom lebal ba fimu toll ni négociation yi mu bëgg ko biwat ak FMI ak banque mondiale ñoo ñu né nañ ko yow yaa ñu amel ay arrière xana kay di nga fay ba nopi lolu naan bor du am rek ta amul capacité yu ko défé jaxlé bop mu jaxlé nak motax mu né nak nawut ñuma yebbil bir bi ndax tim réew mu melni sénégal nga xamné guerre amu fi problème amu fi suñu démon bané waxtaan dafa wara am waxtaan bi ñaara ko wara sék ma léral mu lér bu baax su dé waxtaan bi bénn la wara doon muy dialogue politique dialogue social nak bokoy def dang koy dem def ak syndicat yi bobu benen la dialogue économique bokoy def dang koy dem def ak acteur économique yi bobu benen la waye ñun duñu syndicat duñu acteur économique ñun ay acteur politique lañu acteur politique dialogue bi la concerné moy le dialogue politique moy nañu wax ci fichier électoral bi nañu wax ci carte d'identité yi mu té nañu wax ci kan mo wara organiser élection yi kan mo wara joxe résultat yi nañu wax ci yoya lolou moy dialogue politique lolou mo concerne acteur politique bu fi jogé né ma ngi dem dialogue économique waxal ni dama dem fekki Macky Sall parce que ki gagné andi programme am né sénégalais li la lañ doon andi mom mo wara dérouler programme économique am mo wara dérouler programme social am yoyu ay prérogative am la yo xamné constitution boko jox liko constitution bayiwul nak liko constitution bayiwul moy le processus électoral mom momuko bokul ci ay prérogatives les institutions mom momuko kon bu démé ba wëlbi tu gis ni télé na mu daldi woté né gaay ñëw leen dimbalé ma di mo waron jëkka def moy mu jëkka taxaw né peuple sénégalais ah ma fagu won dé waye nak mbir mi attanumako parce que wax ji moy mbir mi attanuko amul gis bi amul njub gi amul encadrement bi programme bi baxul vision bi newu fi motax ni mu waron jëk wax moy gaay télé na way wallo wala mu ne delo na mbir mi waye ñew bëgg nax sénégalais ne ma ngi woté dialogue national inclusif dem wo say nit ñu naan personnalité respectable personnalité neutre quoi personnalité responsable respectable neutre juroomi ñaari at yi Macky Sall ne fi di tejaaté di dooraaté di réformer lu ko neex di changer constitution bi lu ko neex mu def ko jël suñu kom kom réew jox ko tubaab yeek naar yeek ñu ko neex toog japp jamburo ana ñoñu fan lañu newon
kan mo len mose gis sax ñu bind ben bataxal ne ah li xew ci rew mi attention parce que nak man fu may nawé nit moy bu wax joté nga wax dans l'intérêt du pays waye muso ngang waye moy ñaag ni bokul ben parti waye sa suné mu génné def chroniqueum wax ci rew mi kenen ak kenen lañ koy def waye tok rek di gérer say ti ba su doon opposition mo jël initiative né dam dañuy def ben initiative dem wolé né len kaalé ñu dajé ñu wogaay kenn du ñew il faut que nguur wax ko pour ñu daw nak lolu ci tapalé la bok am rew tapalé du ko tabax am rew naxaté ak naxanté du ko tabax gis ngeen tuba bi ëppu ñu xam xam gënu ñu bax rew ci jikko lañuy rawanté ak wolé ni bëgg nga sëm rew lolu moy défar rew mais am rew mo xamné kenn ku neuf fo nga ni mën nga nax sa bop nax ñepp té lolay sénégal wax ji nak du neex so waxé ñu né dafa arrogant waye wax deug su joté dañ koy wax donc télé gogou motax mu andi dimu andi nak may xamal sénégalais ni désormais bis ni ki tay bu ngeen ni wax da ngeen nan le gouvernement de son excellence Famara Ibrahima Sagna parce que nak lolou lañ ko jox légui hein parce que kuñu né suñu kom kom rew est ce que gis ngeen terme de référence amul luñ ci bayyi suñu kom kom rew moy nuñu def ba secteur privé bi am lu mu wara am ci marché yi nuñu def ba suñu pétrole ak gaz ak zircon delu ci ci rew mi nuñu def ak ñu né lolou jox nañ lako ñu delu ci wat ñu né la social bi moy insécurité bi nit ñi rek nit ñi agressif pañ mi ak yeneen ak syndicat yi jox nañ lako ñu né ah bëri na dé mu né dédé yemul fofu légui dialogue politique bi nu ñuy organiser élection calendrier public et cetera jox nañ la mais koku dañoo génné buñ jom té ko fi légui mom moy le gouvernement du Sénégal ak ñi mu andal parce que néna li tax lolu gëna dëggul mo gën ko dëggal moy su doon dañ né c'est consultatif rek mais dafa né lu ngeen décider mom lay def kon ñoo ñu ñoo yor Sénégal légui ñoy gouverner ñoy décider ñoy bu mit ñoy bour ministre yi fi nek lañuy lek riba la mën nañ démissioner amatuñ fi jëriñ d'ailleurs amatuñ fi jëriñ depuis bu mu défé réforme am né légui mom moy lepp ci Sénégal exécutif bok mom dong la kon ministre amatu fi jëriñ mom moy wax directement ak directeur général kon benen bi moy dafa am wax yo xamné bu génné ci lamiñu kilifa askan gi mu jité warna jax ndax kilifa bu togué bané man dé nekatuma ci ay njuj njaj dama bëggu ñu wolanté liggéey lool limi findel moy juroom ñaari at ci njuj njaj la néwon juroom ñaari at ak lu tégal sax ndax réforme bi mu def changer 22 articles constitution bi njuj njaj la kilifa nak go xamné néna ya jité réew mi jité 15 millions de sénégalais da ñew taxaw ne len ma ngi won ci ay njuj njaj waye nak legui bana ko parce que man xamna ni sama mandat jeex na bi moma déssé ma dem kon legui wul len lolou wax ju grawa graw limi findel moy ki war won jité rew mi ta nak néna changer na deug la nit ku ne day changer ñun ñepp bis bu lañu toñ suñu borom djéggalu essayer changer waye nak dama ne wolé sa golé ci kër golé gi ay lol lum la wax beccëk guddi mu dañ lum la wax guddi beccëk mu dañ golé gogou bu xéer rek na la bay soppi ko na bala nga nan ko nam di nga tay juuti té li fi makki wax mu dañ kenn xamu nu mu toll dina def 5 ans def 7 ans duma musa namé sama frère par décret namé ko par décret duma ak yan def na limna fi beure limu wax mu dañ kenn xamul lu mu toll danaka sax lu mu sa wax dañ na kon koku bu ñewé tay ne man soppiku na bala nit ñi di rumblement di daw ana kay peut-être duggé né dina palé duggé na salle des banques ken ñu na Macky Sall ndax amna ño xamné lolu reey la ci ñom waye lu fa nit ñi di defi dafa ne mom mo gagné réew ma ngi ni le gouverner ñu mettre quoi les preuves ben waxtan lañu mëna sék ak mom moy li nga xamné constitution bayilu ko ko yone bayilu ko ko
moy processus électoral bi ak institution leneen lu ko moy ay tapale la ñaaral bi mu wax moy ñaaral wax bo xamne warna tay xel sénégalais néna ku djégué ak mom buñu bolowul nek ben say wa bitim rew dinañu ñew jaay ñu doole nang suñu kom kom rawatina rek li nga xamne moy suñu ressource naturelle muy pétrole bi muy circon bi muy gaz bi muy yenen ak yenen ma fatali ko ne ñoñu soxla wu ñoo ñew diko nangu ndax mom mo len ko jox ba nopi ta bam koy def bu muy signé ku lire sama livre pétrole et gaz chronique d'une spoliation bind na ko 2016 ba légui gisul len ko ci wéddi ab phrase sa bam koy def lamuy def xamna ko dako def ci tayefu ba kanam djel suñu alal yépp tayle ko su yémon fofu sax ñu né waaw waye yeen ñe fatali ngeen ngi février bi ci élection présidentielle bobu jamono ñun rek ka bindon suñu programme ni buñu sénégalais wolo ba fal ñu lu fi nit xatimone ci quoi contrat bo xamné du intérêt sénégal dinañ ko dindi yamul rek ci or ak pétrole ak yoy ba ci marché public bi mu xamé ni wax joju nak amna fu mu égg sénégalais loolu lañuy wax di populisme politique moy ni mako waxé ci wolof moy Diallo Diop biñ koy waxé populisme moy marirando wala essayer wax ni nit ñi bëgg dégg rek pour nax leen ba wëlbeutiki leen ba am li nga bëgg ci la jog taxaw momit né buñ ko wolof ba jox ko deuxième mandat contrat yi da koy renégocier bimu ko waxé la def meeting xam ba fan may leen Yalla mewatim xam na ni du négocier ben contrat fitam mayu ko ko té moko signé té ñim ko signé xamné lu mu sékk ak ñom ba tax mu signé ko kon sénégalais yi lén lañ ko waron laaj moy engagement bobu mu jël digé bobu mu digé kañ la koy def ak naka la koy défé su dé rek dafa bëgg laqatu ci gannaaw ñom Famara Ibrahima Sadia commission ak xawma dialogue national loolu day fini rek dima wax moy ñëméwul li mu doon parce que kilifa ak askan nga né askan moma fal li nga digé dang ko wara ñëmé assumer def ko mais do dem laqatu ci gannaaw ay nit ñu tek ñi tekki nak ni wax deug yalla bari na sénégalais wala am nak ay sénégalais yu dal waaw comme non la démé rek ñun réew dialogue lañu réew waxtaan lañu bu woté dem leen uyu dama né xam ngeen biñ ko né fi dañoo bëgg kuy organiser élection ko xamné du far fel dafa dem ci benn télé né duma ko def ñu tontu nit ñi ne leen defuñu ko ba muy ñetti yoon demuñu ci tiaxan ji demuñu dialoguer ak Macky Sall ludul poñ bi ñu wax te buñ ci tollé buñu woté lañ jël suñu monsieur élection dem man soxlawuma dem palais caméra yi daan sonko dem na palais demul palais soxlawuma ko ñi ma nekkal ñep amul kenn ku ko soxla dañu né nonu mu ko waxé won non lañu gisé ni Macky Sall juroom ñaari ati ba ci lu mujjé def ni ci début mandat dafa def lu ko neex ak sa su ko neexé kon koku waxam fim toll ni matuta duma sa dom parce que boko defé toñ do ñu wax nak ni dialogue bi nak dafa am lu ko lal lo xamné waxuñu ko mo ko sénégalais dañoo bëgg nax sénégalais li ko lal bu ci ñëk moy Macky Sall jafé jafé yi mu jonkontal ci réew mi té mu upp bopam té mu xamni fimné ni télé na loolu la bëgg fexé ba sul ko ci ab dialogue ak jafé jafé yi sénégalais di dundul ci insécurité ci violence ci réew yi gis nga loolu du rôle commission rôle président de la république ak gouvernement mom lañu jox mom lañu né mom lañu jox réew mi jox ko budget bo xamné ay milliers de milliards la jox ko administration jox ko gendarmerie jox ko police jox ko renseignement généraux jox ko diplomatie koku déssé luñ ko dara mom mo wara régler lolu jarul muy dem laqatu ci keneen ñaaral bi nga xamné mom mo nek ci gannaaw jalo bi moy moy
nous def ba naxanté ak sénégalais pour que élection yi ñu wara dëgmal muy élection locale mu fexé ba dakk ko xam nga dakkon nako té yoon dafa né mayuñu ko mu nako dakk mais waru génn ci at bi kon jëlé won nako mois de mai yobbu ko décembre xana mu jëlé ko 1er décembre yobbu ko 31 décembre mais waru amul droit pour dakk ko luddul amna li ñi wax ñom consensus avec toute la classe politique motax ñi yoll nek ci opposition ba dem fa luñu def ñom la engagé parce que complicité la avec Macky Sall calendrier républicain bi dañ ko wara respecter parce que Mamie Macky Sall nak momul rew mi yi nga xamné nak moko créer ci ay problème moko régler bopam mo fi créer parrainage ñepp xam nañ ni parrainage bi soudé 27 candidats élection présidentielle lañ ko mënul won laqat ci waxuma la so amé 552 communes bu nek wara am num tout tout 10 listes kan moy gérer parrainage bi fi Sénégal yoy nak mo la xamni moko créer bopam bëgg ci genn nako genn nit da ngay am humilité lélé so démé ba xamni mbeuk nga ñëw né gaay mbeuk na wañi wul dara ci sa dara ja waye bëgg ñëw di nax nit ñi nan damay créer ay commission ak ay dialogue lolu ci tapalé la bu ci mujjé nak yam rek ci élection locale waye élection législative ñu wara dem 2022 té amna ci tangé ni suñu démé mën na am mu ñak assemblée nationale té lool sax moy am bu soobé yalla mu bëgg xol nak nu mu koy naxanté ba dakh ko ba mu du am 2022 ak ñettel bi moy mom ci bopam xam nga ku leen won dina def 5 ans def 7 ans bu ñëwé na la duma débandé 3e mandat li boko gëmé li ñu nan taribat ya dak moy door nga sa loxo ci yek nun de gëmuñu ci dara ci ay seen stratégie nu ñuy def ba yoy yëpp ñu tënk ko ci jaarale ko ci dialogue bobu la bu ci mujjé nak moy njuj njaaj ak ciacc gi ne ngeen jéggal ma ci terme yi gi ne ci réew mi te ay andandoom rek ko def ay milliards ñu toñ ci poste ci port ci impôt domaine ci coûte sokoy lim du jeex mu tok ci lolu japp ay opposant ci ay waxu tiaxan dej len ñi mu gën len rew mi ay nitam jël ay milliards mu tok ci ñi sax mu defal len promotion de na melen ay ministre ñi wër di kokkali askan mi yoy la bëgg jaarale ci dialogue bi ba ñu sur ko ñu wax nak ni Macky Sall dafa am projet bu mu am bi mi ex xam nga mom defena amna ku meuneewon bi muy nek ci PDS sax c'était l'aile fasciste du PDS bi muy ñew moko waxal bopom ci lamagnam ken netalu ko ken dafa ne dina sel opposition dotul am ci rew mi gis nga projet bobu ba legi gennu ci nak def nako ci juromi at jurom ñaari at ci jaay doole ku ne anduma ak yow mu tejj la ku ne anduma ak yow mu genn la rew ku ne anduma ak yow mu dakk la sa liggey ku ne anduma ak yow mu corrompre la fexé ba nga dem and ak mom moy les transhumants comme on les appelle lool yépp opposition bañu am waye nak nit ak fexem yalla nak mom gis nga firawna bu mu né duma am kenn duma neub jant bi dombu goor mutti dombu goor biko jaaxal keureum la yaro li olof nan guuy gi nara nek gi nara mag xawma yalla koy lakh ba law bi du ko gis kon def na limi def yeb gis ni opposition amna opposition gi ni sen kanam lol nak tax mu ne legui na ko changer sude munuma ko am ci jaay doole na ko am ci naxante ak ñoom ba ñoom ñep ñoo fekk ci ma parce que ñi dem dialogue ba dañoo nangu ni ñoom ñi ngi dem and ak Macky Sall pour préparer fabriquer ben programme économique ben programme de gouvernance lool moy fekk na Macky Sall lool nak lañ ne ñun duñ ci mësa bok parce que am réew ab démocratie pour mu nokki pour mu dox il faut ñaar yi am ci walu politique bi la wax nak ndax yeneen fan dina am il faut mu am société civile il faut mu am opinion publique il faut mu am
média waye ci walu politique il faut mu am ñaari il faut mu am ñuy gouverner am ñuy opposer ñun nak dañu def suñu choix le choix bobu dañ ci dem ba diex moy dañuy opposer wu au régime de Macky Sall parce que japp nañu ni mënul jëmele Sénégal fu bax du luñu def nak par rapport ak Macky Sall ci jëm man Macky Sall xawmako musumako gis suma ko gisé télé wala affiche musuma gis mus ñoo ñonté musna dégg ben dem ci xam dafa topon ay ñoo xawma néna daf ma gis kër Macky Sall xamna ni dafa gëlema mus ñoo gisé kon koku mënuma am ay ressentiment wala am nonel bo xamné sama digënté lak mom japp na ni nit soudé nit rek nité moma gën man damay gis damay japp kuma gis rek ci jami moma gën waye doxé la ñëm lañu andul lool c'est pas personnel mais mom moy def affaire bi affaireu personnel ku né anduma ak yow bu yebo nga wajal nak saga kat yi xasse kat yi sosase kat yi justice bi lepp lu mëna dajalé pour né rek tay ki il faut mo pexel ko mom su ablaye defone ak mom du nek fi mu nek fu né la nan wër nan serigne ci jappalen ci balam moy tay dafa am yo xamné ñak xam mbirum yalla moy tax nit diko def ndax nguur da fay jeex te bi jeex na ba nopp bu fi raw na jeex na suñu warante kat yi bo démé ci jakkay khutba bob nga xamné néna saxon nañ ko renouvelé waye suñu wax dañ nan ayna kharun ayna firawna wala ni ñooñu nguur gi ñi amon kenn xam nu mu tol te nekkuñu fi waye dama né ana sudané bi lu tudé ci ana el bashir nga xamné doole gi mu amon kenn amuko ana bouteflika ana ben ali ana saddam hussein ana bara mubarak bu egypte ana ñoñu sax moy ñi nga xamné demine biñu démé dem doole la waye ana ñi nga xamné nekkol lañ fi élection jël lañ fi ana abdou diouf ana blaye wat nonu lay démé momit ci lu gaaw sax kon na delo ci xelam xamni lu dul nguuru yalla day jeex ñun nak am nañu droit opposé wu te nañ ko opposé wu ma daanel nak ci wax ak suñuy andando ci politique ñi nekk ak ñun déjà ak ñi nga xamné bokk nañu gis te ñu yaakaar ni war nañu mëna ñëw and ak ñun Sénégal gi dafa nekk en danger il faut ñu sauver ko te loolu un pôle d'opposition fort moko mëna def réew mu ñu sétaat ba ñu naxasal opposition bi yépp ki yor nguur gi dina dum ak askan bi bëcc ak mbir kamb te kenn du ci mën dara ñu lancer un appel suñuy militants suñuy sympathisants de toute la coalition nag liggéey bi rafet na liggéey bi ñu def ci campagne bi te defuñu ko ak xaalis conviction lañ ci demee tabaskallah rafet na lool waaye nag tey la suñu projet politique commencé nañ ko jàpp am na ku ne woon je suis à l'an zéro ñun tey la ñuy doog a door na nit ñi gën a takk ndig yi gis nañu ak li ma noppi yépp maa ngi suivre ni nit ñi di déployé ci réseaux sociaux yi liggéey bu rafet bi ci weeru koor yi ndogu yi conférences yi partout vitalité bi ngeen wone gisuma ko feneen waaye lu ngeen doon def benn neen da ngeen ko multiplier par 10 parce que ñu ngi ci yoon bi nañu gëm li ñuy def te gëm suñu bopp bu ñu nax ak naxante bu ñu nax askan wi nañu gëm li ñuy liggéey wax ndaw ñi nag ndawu askan wi ne ñoom lay daane rek dañ leen yàgg nax de suñu dajalee mbir yi rafetal ko gars yi ñëw ak costume yi ak kaala yi ñu ñëw taxaw ne waaw Sénégal de ku waxtaan dara ay dil la yoo xam ne nu ñuy def ba redistribuer carte yi battrewaat ko ñoom ñoo nga xam ne depuis mbalaamay judd ba léegi ñoo fi nekk di séddoo ñu séddawaat dem toog loolu rek mooy seen yitte yéen nag jeunes yi yéenay souffrir yéenay jël gaal yi yéenay dem ci désert bi yéenay dem pare jàng toog di chômé di xool seen waajur bëggoon leen jàppale mënu leen ko bu leen kenn naxati ci yooyu nous voulons d'une jeunesse consciente et saine te jeunesse boobu nag maa ngi leen di wax na ngeen préparé wu parce que nag xeex bi dinañ ko xeex de toog leen rek di déglu signal bi continuer liggéey sur le terrain te préparé wu leen
parce que bu soobe yàlla réew mi duñ ko bàyyi ak groupe bi nga xam ne Sénégal ñoru leen yitteru leen. Ma daane nag ci kilifa diine yi ndax ma ko ci français bi ñaare yi su amee nag dañuy dem gis kilifa yi diine yu bëri neneen nag wax leen ci mbir mi waaw dañuy waxtaan dañuy jaloo bu ko defee ku kilifa diine woo sax nga naxanteeg moom gàntal ko ñu ne waa moom de yëgul sax respecté wu kilifa diine yi moom bi muy def ay njombeer juróom-ñaari at yi weesu fan la dafa est ce que dafa dégloon kilifa diine yi ñaata na ko nit ñi woo ci ñaan njekk ci ay nit yu muy tëj wala yu muy dóor wala réew mi nekk tension parce que bugg na modifier constitution bi wala loi yi mu bañ a faale nit ñi jël armem dem barricade assemblée nationale ne lu ma neex lay def kon am nañu warma torop ci suñuy kilifa diine waaye réew dafay am fu muy toll il faut que ñu jaarale mbir mi ci yoon